Wesh la mif, bienvenue dans cette nouvelle journée d'orgie culinaire. Bref la mif, nouvelle journée de grosse bouffe. Aujourd'hui, vous l'avez vu, petit entraînement. J'ai fait le dos tout à l'heure, j'ai fait d'autres choses, je suis revenu chez moi. J'ai tellement mangé hier, j'ai tellement mal au bide, j'ai yesh 3 fois aujourd'hui. Oui voilà, je vous le dis, c'est cadeau. Sûr que vous voulez savoir ça. Yeah. Il est exactement 22h22 et je n'ai absolument rien mangé de la journée. Je me suis levé tard, mais quand même, je me suis entraîné, j'ai fait les trucs, j'ai bougé ailleurs, tout ça, j'ai encore rien mangé. Bref, ce soir, c'est un petit mix. On va ce matin filmer un petit X-Men ce soir. On va avoir un mix de pommes duchesse fait maison. Enfin, fait maison, congelé quoi, mais pommes duchesse chauffées maison. Chips protéinés. Des burgers du KFC, celui que j'ai mangé hier qui était tellement bon que j'en reprends un. Un burger du Burger King. Donc, 4 trucs différents. Et pour les desserts, on verra après. En tout cas, ça va être lourd. A tout de suite, bisous. Bon, la mif, on se retrouve. Changement de plan de dernière seconde parce que le Burger King était fermé. D'ailleurs, je pense que ça fait 6 mois quand j'étais allé au Burger King. À chaque fois qu'on passe devant, il est ouvert. À chaque fois qu'on y va, il est fermé. On n'a pas compris ce qui se passe depuis le Covid, mais on dirait qu'ils ouvrent quand ils ont envie d'ouvrir. Bref, du coup, on est parti. Mademoiselle, elle a quoi là? Un mac raclette. Alors, je peux pas vous dire à quel point je hais le fromage raclette, donc voilà. On a genre 52 sauces. Il y en a encore, merci, hein. Deluxe. Plus 53 sauces, plus 55 sauces. Ensuite, on a comme prévu des pommes duchesse à se partager à deux. Je sais pas si quelqu'un connaît pas ça. Je crois que j'ai pas mangé ça depuis que j'ai 12 ans. Non, c'est des années. En gros, c'est des pommes four croustillantes et dedans, c'est comme de la purée, c'est excellent. Une salade verte avec une sauce light parce que je suis un gassin. Le même burger d'hier qui est énorme là, le double machin truc gigantesque que je vais montrer qui est juste tellement bon que j'en ai repris un. Deux petits cheeseburgers du McDo parce qu'on était au McDo et au BK. Et un petit burger du KFC. Donc voilà, 4 burgers pour moi, pommes duchesse, salade. Pas de frites, on est gentil. Parce qu'il y a pas de chasse, toutes ces sauces et. On sera prêt pour le dessert. Bisous la famille. Chicken pass. Deux filets de poulet, du bacon, du fromage et plein de bonnes sauces. Hey, KFC, sponsorisez-moi, frère. Sponsorisez-moi, KFC, sponsorisez-moi, frère. Bon la mif, on a exterminado ce KFC, burger, patate, mananana. On passe au dessert et je viens de me rappeler qu'il y a plus de 2 heures, j'ai acheté un McFlurry qu'on a mis au congélo. C'est un McFlurry Oreo, grande taille. Ben, vu qu'on a acheté des tonnes de bouffe dégueulasse, on va voir ce qu'on peut trouver à mettre dedans hein, la mif. Bon la mif, on va saupoudrer ça de ces délicieux cornflakes à la cannelle. Un peu de chantilly. Des petits morceaux de cookie French encore là. Et peut-être quelques morceaux de double cookie chocolat du KFC. On reste light, on reste tranquille. J'ai pas envie de faire des mélanges de folie, on va rester sobre. Peut-être un peu de. Peut-être un peu de Nutella. Et. Bah c'est parce qu'il n'y a pas de sauce au chocolat. Oh Nutella chantilly. Bah, filme pas ça frère. C'est pas dégueu. Oh. Attends. Non, filmer à terre, filmer à terre, ouais. Ouais, bébé, ouais. Non, Bobby. Ne touche pas. Ça, c'est crade. Et là, avec le Nutella, tu prends un chantilly. Bon appétit, la mif. Plein sur le doigt. Tu filmes de trop près, non? Non. Tu vas te faire insulter sur YouTube. Je crois que j'en ai loin la barbe. Oui. Oreo, céréales à la cannelle, Nutella et chantilly. On a que McFlurry là. Il y a un peu de tout là. Viens là, viens là, viens là. Mais être sec c'est bien, avoir des veines c'est bien, avoir des abdos c'est bien, mais ça gros, ça a pas de prix chez gueule. Être gras, ça a pas de prix chez gueule. Allez, je voulais juste profiter, bisous. Wesh la mif! Pourquoi est-ce que chaque jour quand on se parle, je suis sur le point de bouffer des kilos de bouffe? C'est nouvel an aujourd'hui, on est confiné, donc on s'est dit qu'on allait faire la grosse fête, c'est-à-dire, comme tous les jours en fait, on va manger comme des porcs quoi. Donc aujourd'hui c'est enfin l'heure de l'attaque des titans. On va dire maintenant le premier épisode de la dernière saison, on va maintenant le suivant. Et comme bouffe on a...
une 30, 40, 50aine de sauces. On a été chercher au Five Guys pour l'espace avec le meilleur fast-food vraiment qui existe, sauf que ça coûte 18 balles juste le burger. Oui, j'ai dit 18 balles juste le burger pour un fast-food, mais c'est frais et tu peux avoir jusqu'à genre 15 ingrédients dedans. En plus des deux burgers du Five Guys, on a pris un burger chez McDo qu'on va se partager. On a pris une boîte de 20 nuggets qu'on va se partager. Deux portions de frites et une portion de potatoes. D'avoir 7000 calories. Et bien sûr, tout ça c'est pour les nuggets, les frites et les burgers. On a dépensé 92 francs et 20 centimes. Plus ou moins 90 euros de fast-food. Mais c'est nouvel. Et ces burgers du Five Guys, vous verrez, ils sont incroyables. Bref, je vous laisse parce que la chérie, elle s'en passionne d'un fois là. Bisous et bonne année à vous tous. Ah, bien sûr, je monte le dessert après. C'est que l'entrée, ça. Donc là, c'est un bacon cheeseburger. Mais en gros, il y a deux steaks, deux fois bacon, deux fois cheeseburger ou une fois cheeseburger. J'ai ajouté genre deux sauces ou trois sauces. Plus, je crois, salade, tomate, oignon, cornichon, oignon grillé, poivron vert, champignon grillé, sauce steak, sauce barbecue, relish. Bref. Tu veux te moquer de moi parce qu'à chaque fois que je mange dans Five Guys, on est parti. Je n'arrive pas. Oh. Mmh. C'est juicy as fuck. Le bacon, il est vraiment trop bon. Là, fais gaffe. Il y a encore rien. C'est l'heure de l'attaque des titans, donc je vous laisse. Bon app. Bon, la mif, on se retrouve quelques heures après le carnage culinaire. On a beaucoup trop mangé. On a fait minuit, mais rien de spécial parce qu'on était au bout du rouleau. Et on s'est endormi plus tôt que tous les autres jours, oui. Et on a fait une sieste. Moi, je me suis levé pour finir cette nuit en beauté. Et regardez d'ailleurs ce qu'elle m'a acheté. Elle m'a offert ça comme ça. Comme s'il n'y avait pas assez de bouffe chez nous. Elle a un peu abusé, je vous montre ça direct. Donc, oui, elle est un peu partie dans l'abus. On a du Milka Peanut Caramel. Ritter Sport Wafer pour ceux qui connaissent, Ems Amandes, Ems Caramel, Ems Burger Wets, Ems Bretzel, Snickers Crunchy Peanut Butter, Kiki Max, des Amis Chili, des Merci, des Oreo Golden, des Oreo Birthday Party, des Oreo Cool Mint, ça a l'air immonde, mais elle m'a dit qu'elle voulait juste acheter un peu de chaque juste pour goûter et tout et faire genre, mais en vrai... à la menthe fraîche, c'est vraiment dégueulasse. Des Oreo Brownie, des Oreo Strawberry Cheesecake et des Oreo Most Stuff. Je pense des Oreo avec pas double mais triple fourrage. Donc voilà, elle m'a acheté tout ça. En plus de tout ce que j'ai déjà, c'est abusé. Quand mes deux, j'ai deux McFlurry dans mon congélo, un Oreo, un M. Oreo, des M&M, la Nutella, des biscuits de Noël, des cookies. Et bref, je vais manger ça en m'attendant un épisode de la saison 2 de The Mandalorian, pour ceux qui connaissent. Une bonne dose. Non mais la Nutella, c'est la vie, mec, regardez-moi ça. On va prendre ça, un double cookie du KFC. Incroyable. Là, c'est ma chérie qui a fait. Elle a pas réussi comme elle voulait, mais elle avait déjà fait l'année passée. C'était trop bon. Elle a pas réussi comme elle voulait parce qu'elle avait pas d'œuf. Du coup, elle a dû improviser avec les ingrédients et tout. Mais, checkez-moi as. Quand je l'ai rencontré, ça n'a pas cuisiné, maintenant on me fait des bons petits trucs comme ça. Checkez-moi comme ça là, incroyable. Je l'ai déjà mangé avant, c'est trop bon, regardez-moi comme c'est bourré de chocolat. Espèce de cookie méga moelleux géant. Et je vais prendre ça, je vais les émietter dans le McFlurry avec les Oreos, la Nutella, l'autre cookies et un petit déca à côté. Regardez-moi ça. I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple hundred grand, like, yeah. Got a couple hundred plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera. I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Just keep yeah, your head yeah. Down with I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make them back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from... Bon, la mif, on lance un deuxième épisode du Mandalorian. Et donc un deuxième McFlurry. Donc le deuxième McFlurry avec leur M's, la poussière des M's. De la Nutella encore. Peut-être finir le paquet d'Oreo. Cookies c'est fini, ça venez manger un max. Et on va rajouter un kiki frais. Je sais pas si c'est un truc suisse ça. Je crois que c'est suisse, j'ai jamais vu ça en France.
En gros, c'est une espèce de gaufrette enrobée de chocolat. C'est une putain de tuerie. On va manger ça et ensuite on va se coucher, les gars, parce que je suis éclaté et je commence à être en plein food coma. Bref, peace out, les gars, et bonne nouvelle année. Ciao. Hello, guys. It's me again. For more food, motherfucker. Pour la bif, on est le 1er ou le 2, on est le 1er janvier, je crois. Et je me sens mal tellement je bouffe chez temps. Du coup, ce soir, on a fait tranquille. J'ai rien mangé de la journée. Je me suis fait une salade, des poivrons et du poulet. Et c'est un petit paquet de chips protéinés. Et c'est tout ce que j'ai mangé de la journée. Parce que j'ai trop abusé ces jours. Et on voulait faire un jour plus light parce que mon corps commence à crier au secours. Mais c'est pas une raison pour pas avoir de dessert. Du coup, ce soir, je vous dis de fait. Je me suis commandé Ben & Jerry's vu que les magasins sont fermés. On a pris une Ben & Jerry's Netflix and Chilled. Et une Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Deux des trois meilleurs Ben & Jerry's à mon avis. Donc je vais me faire un bol avec ça et ça. Plus qu'est-ce que biscuits de Noël. J'ai encore pas mal à finir. Du coup, voilà, je tenais à vous montrer ça, la famille. C'est tout, c'est tout. Plein de bisous. Bon, l'ami, voilà, voilà, je montre la préparation finale. Alors, on a deux glaces à base de beurre de cacahuète. Qui sont vraiment incroyables. Des biscuits amaretto orange chocolat, une tuerie. Des biscuits cannelle chocolat, vraiment une grosse tuerie. Et je vais essayer de manger ça et pas beaucoup plus parce que, je vais pas vous mentir, mon corps commence vraiment à être malade là. Je commence vraiment, vraiment, vraiment à abuser. Donc on va essayer de pas abuser, manger ça, aller dormir et demain retour à la salle. Bref, bisous la mif. Je vous laisse, je kiffe ma vie. Bon la mif, gros entraînement jambes aujourd'hui, énorme entraînement jambes. Je me suis tapé 31 séries juste pour les quads, les ischios et les fessiers, même sans les mollets. 31 séries parce que malheureusement, bah, je vous ai déjà dit que je vais aller dans un autre département entre guillemets. Hein. On est en Suisse, donc c'est pas les départements. Dans l'autre département pour m'entraîner, je tape plus qu'une heure de trajet. Parce que dans mon département, les fitness sont toujours fermés. Et dans l'autre département, apparemment, ils vont fermer dans 2 jours. Donc c'était mon dernier entraînement jambes avant longtemps. Vu que, bah, à la maison, je fais... Je peux pas faire les jambes correctement, c'est vraiment galère. Pec dos, bah, je fais avec ma... sexy, séduisante, j'adore, machine. Les jambes, c'est vraiment... Tu peux presque rien faire. Donc je me suis massacré, j'ai fait 2h39 minutes d'entraînement jambes. Et j'avais très 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 envie de sushi ce soir, ça faisait des années, je pense, des années littéralement que je mangeais de sushi. Et j'avais super envie, et c'était galère, je devais commander, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps, j'avais pas la bonne appli, j'ai rentré du fitness tard, et tout était fermé, donc bon, j'ai laissé tomber. Et quand je suis rentré à la maison, regardez ce qui m'attendait. On voulait pas beaucoup, et checkez-moi ça, bam, 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 ça je vais certainement pas manger, ça, bam, ils ont l'air incredible, et ça... quand même la meilleure copine du monde, les mecs. Sans... Je vais me le goûter sans... Pourquoi je prends pas le premier de la ligne? Je sais pas. Je vais me le goûter sans wasabi. Crevette tempura, plus crabe, plus... Je sais pas ce que c'est. Saumon et des... Je déteste les putains d'œufs de je sais pas quoi, là, con, mais bon. Vas-y. Ah et la mif, j'ai oublié de préciser, avoir des seins en 2020. Dans une de mes dernières vidéos, vous avez vu que ma chérie était au KFC, en plus de notre menu, elle a eu une grosse boîte de chicken gratuit, on sait toujours pas pourquoi. À mon avis, le spam dire, elle a refilé son numéro, mais bon, montrer ses uns ou je sais pas. Là, elle teste, acheté ça. Elle a acheté ça dans un sushi shop, et elle a été dans un deuxième sushi shop en disant qu'il y aura certainement pas assez. Elle a pris tout ça, et c'est un truc, c'est vraiment le plus cher de Genève, je pense. Et c'est pas le meilleur, je sais pas si c'est le meilleur, en fait, on vous goûtera, mais c'est le plus cher. C'est une facile pour 45 balles, là. Le mec lui a dit, j'ai déjà fermé la caisse, c'est bon, c'est offert. Vous pensez que si moi, j'avais été, il m'aurait offert même un sushi? Soit il aurait réouvert la caisse, soit il aurait dit, en fait, c'est fermé, casse-toi, on te donne rien. Là, elle a eu pour 45 balles de sushi offert après le KFC de l'autre jour. Je sais pas si je dois être content ou avoir trop la haine que les meufs ont tous ces putains de privilèges et nous on galère. Et après on nous dit que le féminisme, blablabla, les filles ont moins de privilèges que nous. 45 francs de sushi gratuit, j'ai jamais eu 1 franc de sushi gratuit toute ma vie. Wesh. Bisous. C'est quoi cette coiffure? Ça tue. Oh putain, ça tue. Oh putain, ça tue. Bon la bif, meilleure coiffure du monde. Je pense qu'il y a plus besoin d'introduction à la vidéo, celle que je vais vous parler, un gros lard. Deux types de Ben & Jerry, peanut butter différentes, de la chantilly, de la Nutella et les mini donuts de chez Lidl, sucre cannelle. Je vais pas vous en parler longuement ici parce que j'ai mangé, mais je crois que je ferai une vidéo entière juste sur ces donuts de chez Lidl et dans l'ancienne jury. Bref, la mif,
Bisous, à plus. Merci d'avoir checké cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé la bouffe, tout ça, tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme je le dis tout le temps, pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour moi, c'est une énorme motivation, chaque nouvel abonné. Donc vraiment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, si vous avez des idées d'autres vidéos du type, enfin de bouffe, de trucs spéciaux de bouffe que vous voulez voir avant la fin du mois de janvier, parce qu'après, ce sera fini jusqu'à l'année prochaine. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez ma vidéo, écrivez-moi si vous avez des questions ou autres, ou des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec plus de bouffe et plus de coiffure chelou. Allez, c'était Timon Karim, ciao.